Salut à tous, ça fait un rappel. On se retrouve pour une nouvelle journée de Ligue 1. Donc en manager contre le Paris Saint-Germain. Donc c'est parti, on fait les petits changements au calme, même si on n'a pas des masses à faire. Alors, ouais non, il n'y a pas spécialement de changements à faire. Pour l'instant, en tout cas, je regarde un petit peu. Je vais inverser les deux là. Hop, voilà. Et je vais mettre lui. Alors, Badi, mettre Marvin Martin et Fortuné, voilà. Il y a 2-3 changements, on est bien. Allez, donc il n'y a pas de message, il n'y a rien, on peut partir pour le match. Donc à l'extérieur contre le Paris Saint-Germain, en espérant gagner, même si on a eu beaucoup de mal contre l'OM, on va voir ce que ça donne contre Paris. On verra bien. Non, complètement raté. Ouais, non, bref. Allez, on passe au match. Je suis nul à ce truc-là, franchement. Au Parc des Princes, où je me trouve en compagnie de Franck Sauzet. Bonjour Franck. Bonjour Hervé. Allez, donc on se retrouve au Parc des Princes contre Paris. Pour ce match, vous retrouverez le Paris Saint-Germain. Ouais, voilà. Hervé Matou, Franck Sauzet pour les commentaires, bien sûr, comme d'habitude. Donc Paris qui est troisième et Lille qui est deuxième. Donc il y a un bon écart de points entre les deux. Donc même si on perd, c'est pas grave, on retombera pas troisième. Mais il faut absolument gagner pour passer devant Saint-Etienne. On est obligé de gagner là. Là on a 3 points de moins que Saint-Etienne, on est obligé de les regagner. Voilà, donc nous on a la meilleure équipe à l'extérieur et Paris Saint-Germain à domicile. Donc un bel affrontement pour aujourd'hui en tout cas. Ça va plutôt être pas mal. Bale qui a rejoint le Paris Saint-Germain. Attention. Gareth Bale. Ouais, Maxwell, Aurier. Serge Aurier, ouais. Et trappe dans les buts. Voilà, donc Mike Maignan dans les buts. Lucas Guerassi cross en attaque. Arojo Martin Fortuné au milieu. Meite en milieu défensif. Sunju Zuma Sivelli à la défense. Benoît Tayad à l'arbitrage qui va bientôt lancer ce match. Donc Zlatan Ibrahimovic et Lavezzi à l'envoi de ce match. Allez, c'est parti. En espérant qu'on fera un beau match. Bonne victoire contre le PSG, ça serait parfait. Maxwell. Thiago Silva. Allez, Guirassy qui se lance. Qui se lance et qui se lance. Corner. C'est Lucas qui tire le corner, oui. Allez, c'est parti. Allez, dégagement du gardien. Guirassy qui a voulu retaper la deuxième fois le ballon, mais ça n'a pas été. Allez, trappe au dégagement. Allez, Kroos qui se fait reprendre la balle. Allez, Gareth Bale qui s'envole. Attention à Gareth Bale. Et Gareth Bale qui arrête complètement son tir. Bon, au moins, on n'a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Allez, notre ami Mike qui va relancer la balle. Marvin
Dommage. Mauvaise passe. Allez. Thiago Motta qui avance et qui donne à Lavezzi. Lavezzi qui se fait reprendre la balle par Sivelli. Lavezzi. Maxwell. Lavezzi. Mike Maignan qui boxe la balle. Et la balle qui est reprise par Lucas. Allez, une passe à Marvin Martin qui fait une autre mauvaise passe. Allez, Gareth Bale. Zlatan qui fait un centre. Ah là là. Thiago Motta qui a raté sa tête. C'est bien dommage pour eux. Mais c'est très bien pour nous. Allez, le prochain match de Paris Saint-Germain contre le Stade de Reims. Allez, c'est reparti. Mike Maignan qui retire cette balle. Ah non, Zlatan tout seul. Bon, je vais arrêter de relancer à la main parce que c'est pas terrible. Hein. Mike Maignan, t'es pas bon. Voilà, Zlatan qui a fait un petit tir droit sur le gardien. Mike Maignan qui a rattrapé, qui a fait le boulot. Allez, corner pour le Paris Saint-Germain. Je crois que c'est Bale qui va le tirer. Ouais. Gareth Bale. Allez, éloigné. David Luiz qui tire à côté. Bon. On est bon. Allez, on va la jouer un petit peu moins rapide. On va jouer les passes. Oula, failli avoir faute. Allez, Trapp qui a rattrapé la balle. Allez, petite tête. Voilà, on esquive. On esquive. Guirassy. Oh. Allez, oh. Trapp qui a bien dégagé. Allez, corner pour Lille. Eh ouais, Trapp, c'est un beau gosse. Allez, Kroos qui tire ce corner. Et bien boxé par Kroos. Allez, on continue, j'ai dit on continue. Ah, dommage. Bah, tu dis. Serge Aurier. A.k.a. Monsieur Periscope. Allez, Gareth Bale qui passe à Matuidi qui repasse à Aurier. Ouh là là. Allez, hors jeu. 41 minutes, toujours pas de but. Bon, va-t-on y arriver? Alors mettre un but. Oui, on l'a vu. Allez, Kroos qui avance. Et non. Ça sera une touche. Allez, dernière action avant la mi-temps. Ouais, non. Zlatan qui rattrape. Et voilà. Fin de cette première mi-temps, donc 0-0. On a plutôt bien défendu, je trouve. Les Parisiens se sont bien défendus aussi. Franchement, Trapp a été bon. Mike Maignan aussi. Face à Zlatan, il a plutôt fait un bon boulot. Donc, on n'a pas trop à se plaindre. Allez, on va voir s'il y a des petits changements à faire.
Alors, on va faire jouer un petit peu les jeunes. On va laisser comme ça pour l'instant. Mais l'entraîneur qui apporte du 109 à son équipe avec un changement. Allez, on est reparti pour la deuxième mi-temps de ce match. Zlatan qui essaye de faire le fou. Marvin Martin. Allez, on avance. Oula. Bien rattrapé par les Parisiens qui relancent avec Zlatan, Gareth Bale. Qui ne rattrape pas cette balle. Votre avis sur le prochain match du LOSC. Allez, Thiago Motta qui récupère la balle. Et ce sera pour le compte de la Ligue 1. Je mise évidemment sur une victoire face à Bouli. Zlatan. Oula, hors-jeu. C'était limite. Ouais, quand même quoi. Allez, je vais mettre un petit peu en offensif. Pour dire deux, parce que j'ai bien envie de marquer un but là. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut gagner. Allez, on avance. Complètement à côté. Allez, 56ème minute, toujours pas de but. Il nous faut ce but. Allez, Kevin Trapp. Troisième arrêt. Déjà trois arrêts pour Kevin Trapp. Voilà. Eh ouais, t'inquiète, la famille. Zlatan qui fait le dingue avec moi. Ah, Matuidi Charo. Allez. Chaud. Matuidi Charo. Maxwell, je crois. Ouais. Joli tir de Maxwell. Pas cadré, mais joli tir quand même. Bon, faut que j'arrête de faire le fou à faire des passes comme ça. Sinon, je vais finir vraiment par m'en prendre un de but. Bien rattrapé à ras de la ligne. Lucas s'approche du but. Lucas, donc voilà, qui joue contre ses anciens coéquipiers. Marvin Martin au contact. Oh, Lucas qui rattrape. Oh mon dieu, il a failli avoir but là. Eh oui, ça c'était une balle de but. En tout cas, ça va, on arrive à mettre la pression à Gareth Bale et à Zlatan. C'est franchement pas mal du tout. Allez, 76ème minute, toujours pas de but. Je commence à désespérer là. Allez, perds pas le moral. Bon, je vais la reprendre cette balle un jour ou pas. J'en ai pas l'impression, hein. Ils ont pas envie de me la laisser, hein. Ah là. L'avait dit qu'avance, c'est qu'il se fait un peu contrer. Allez, Zlatan qui a tenté de récupérer. Le Parisien va faire son retrait sur le terrain.
Allez, la Vedi qui rentre. Qui rentre sur le banc, bien sûr. Allez, 88e minute. Je pense qu'on va finir sur un match nul. Bon, même si c'est pas le résultat espéré. Allez, on se met en attaque de folie. On tente une dernière. Ah, pff, complètement raté. Allez, 2 minutes de temps additionnel. Voilà, fin du match. Donc 0-0 contre Paris, c'est plutôt pas mal. Franchement. Surtout avec Bale et Zlatan en attaque. On s'est pas pris de but. C'était plutôt bien. Voilà, on a su maîtriser la défense, mais on n'a pas réussi à mettre de but. C'est dommage pour les 3 points, mais au moins on a gagné un point. C'est déjà bien. Allez, on continue. Donc là, on va avoir un petit problème par contre, parce qu'on a 2 points. Ouais, là, il y a 2 points d'écart. Faudrait que Saint-Etienne perde sur ce match. Enfin, sur cette journée. Donc, allez, c'est parti pour les entraînements. Faire un petit peu d'entraînement sur les attaquants, ce serait pas mal. Surtout sur les ailiers. Et non. Alors. Ah, Ojo. Ah, voilà. On s'en profondeur. Boum. Un petit entraînement de gardien. Aslan, tiens. Alors, 18 ans, t'as 52. Ok. Et ben voilà, plutôt des bons résultats pour tout le monde, c'est bien. Voilà, Aslan qui passe à 52. Ah, puis le prochain match, c'est contre Lyon. Alors, on n'est pas aidé, hein, franchement. Alors, offre pour le poste de sélectionneur de la Suède. Non, je n'entraînerai pas Zlatan. Il n'y a pas moyen. L'OM qui a gagné 3-1. Ah ouais, plutôt bien. Bassa, ah oui, Bassa qui est à Lyon maintenant. J'avais oublié ce détail. Bon, là, je vais essayer de faire une équipe. Je vais changer un petit peu les dispositifs. Je vais voir un petit peu ce qu'on a. Voilà, ça j'aime bien. Voilà, Frey, Gurassi. Hop, là on est bon normalement. Hop, voilà. Ouais. Je vais mettre Lucas ici. Et je vais mettre Benzia ici. Voilà. Allez, on est bon. 62. Ouais, non, je vais laisser Maignan. On est bon. Allez, on est parti contre Lyon à domicile. C'est parti. Donc là, pareil, on n'a pas le choix. Il faut gagner.
Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. Mais il y a toujours moyen de gagner. Avec Paris, ça a été chaud. Mais il y a eu des bonnes Bonjour occasions à tous, quand même. Bienvenue pour ce match. Il faudra Allez, c'est avec parti. La neige donc, aujourd'hui. Lille contre Lyon. Il faut savoir s'adapter, en effet. Et c'est donc, sous la neige, malheureusement. Ce qui ne va pas nous aider. Alors, l'Olympique Lyonnais 13e, donc c'est pas eux qui vont nous faire de l'ombre, mais faut gagner les 3 points quand même. Alors, joueur à suivre, Lucas pour chez nous et Valbuena pour Lyon. Ok. Allez, Mac Maignan, toujours la même composition, enfin là, au niveau du gardien. La défense, Sidibé, Sunzu, Zuma, Korchia. Milieu, il y a Lucas. Plus d'autres que j'ai pas vu. En attaque, on a Fry et Gurassi. Donc à l'OL, notre ancien coéquipier Marco Bassa qui est en défense avec une Titi. Valbuena en milieu offensif. Et par cette rencontre, nous retrouvons les joueurs de Lille. Les joueurs qui vont commencer à se prendre à rêver de Coupe des Champions. C'est bien parti pour ce match qui va être l'occasion de belles retrouvailles pour ce joueur. Ouais, bah la Coupe des Champions, on aimerait bien la faire. Ça serait pas mal. À lui de mettre de côté l'aspect affectif des choses pour se concentrer sur son match. Allez, c'est parti pour ce nouveau match sous la neige. Donc, qui va pas nous aider beaucoup. Mais il va falloir faire les choses bien là. Allez, une touche pour Lyon. Gaïda Fofana. Allez, complètement à côté, c'est bien pour nous. Allez, passe complètement ratée. Oh, Mike Maignan qui est sur cette balle. Un très très bel arrêt de Mike Maignan. Eh ouais, je me laisserai pas faire mon gars. Regardez-moi ce tir. Très beau plongeon de Mike Maignan. Allez, corner pour Lyon. Valbuena qui le tire. Pousser. Mike Maignan qui est encore là. Mike Maignan qui est encore là. Oh là là, il nous fait une tuerie. Franchement, là c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il est en train de tous les passer en revue. Allez, boum! Wow, allez, but! But de Lucas! Allez, on mène, 14e minute. On est bon. Eh ouais. Voilà, bien passé. Et ça repasse. Et hop. Voilà. Et votre gardien, il n'est pas aussi bon que le mien sur les plongeons. Voilà, le bras qui passe au-dessus de la balle. C'était trop tard. Un beau but de Lucas. Troisième but en Ligue 1 pour Lucas. Voilà. Allez, on mène au score. On est bon. Allez, maintenant il s'agit de défendre ou de remettre un but. Et on sera bon. Oh la faute là. Il y a de la faute, il y a de la faute, il y a de la faute. J'ai vu de la faute là. Ça a pas sifflé. Bon. Ah bah je crois que je me suis vengé. Irassi.
Ouais, Gurassi qui s'est fait reprendre la balle. Ouh, bien boxé par le gardien. Ouh, bien sorti par le gardien. Allez, un corner pour Lille. Voilà, ce coup-ci, il a mis sa main au bon endroit. Du bout des doigts, hein, quand même. Même si les doigts n'ont pas du tout bougé. Du bout des doigts. Allez, Franck Balmont qui tire ce corner. Oh, showtime. Ah, c'était chaud. Hein. J'aurais attrapé cette balle, il y aurait eu but. Hein. Limite on joue mieux sous la neige que sur le gazon quoi. Christophe Jallet, ouais, la passe est mal ajustée et récupère un ballon facile. Cameroun Titi. Allez. 37ème minute. Oula, monsieur essaye de me passer en beauté, attention. Il y a hors jeu. Mais non. Il y avait hors-jeu, bordel, il a levé la main, là. Bon, ben, on revient à égalité. 39ème minute. Il y avait hors-jeu. Pas d'accord, monsieur l'arbitre. Il y avait hors-jeu. Bon, allez, on est reparti. On perd pas le moral, faut en remettre un, là. Allez, zou. Oh la faute là! Ils font les dingues là, ça y est, ils mettent un but, ils commencent à faire les dingues. Prends-toi le carton! Voilà! Ouais! Il a bien glissé quoi! Allez, Franck Balmont qui va récupérer cette balle et on va repartir. Enfin, plutôt oui que vous repartir là. 4 minutes de temps additionnel. Eh ben. Non, c'est pas le moment là. Allez, c'est la mi-temps, donc sur ce score de 1-1, des très bonnes actions des gardiens, franchement, des deux gardiens, même si Mike Maignan est toujours meilleur au niveau des plongeons. Allez, on fait un petit changement et on y retourne. On remet du sang frais. Allez, comme les vampires. Gaïda Fofana. Gardien qui fait le dingue. Un conseil, fais-le pas de trop, parce que si je suis là, t'es mort. Ouais, excellente interception, bien joué. Merci, Benzia. Allez, Benzia, l'ancien joueur de Lyon. Qui se lance plus. Prochain arrêt de jeu. Les visiteurs vont faire rentrer un petit peu de 109. Marco Bachar. On a réussi à passer. Le projaillissement du défenseur sur cette interception. Allez, mauvais rattrapage là.
Allez, donc le prochain match, enfin qui va arriver dans la prochaine vidéo, ça sera contre Montpellier à l'extérieur. Donc on se remet en offensif, hein, un petit peu. Parce que là c'est pareil, on n'a pas trop le choix non plus. Faut qu'on en remette un deuxième. Il est à la récupération au milieu de terrain. Yacine Benja qui a fait un petit rattrapage. Bien vu Mike. Eh non mais c'est quoi ça? C'était quoi ça? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour l'arrêter? Ah non, 68e minute, deuxième but de l'Olympique Lyonnais. Bon. Allez, belle cette action de centre. Ah ouais, tout part du centre, mais que dire de cette tête? Le gardien est bon. Et cette superbe tête qui... Bon ben voilà, 2-1, voilà, je pense plus qu'il y a d'espoir, hein, franchement. Boum 2-2. Direct après le deuxième but de l'OL. Ah Lopez là, t'as les boules, hein, franchement. Là t'es dégoûté mon gars. En plus j'ai failli me faire reprendre la balle au dernier moment, mais hop, j'ai rattrapé et boum. Voilà. Comme je vous disais, jamais perdre espoir. En mode pro, hein, j'arrive à aller passer comme ça, quoi. Franchement, je me félicite, hein. Je sais même pas avec qui j'ai marqué. Avec Frey? Ah ouais. Allez, bah troisième but pour Frey en Ligue 1. Comme Lucas, je crois. Allez, on continue à mettre la pression. Il faut qu'on en remarque. Non, qu'on en remarque. Ouh là là, ça va plus. Donc, je disais, faut qu'on en remarque un troisième. Et c'est parti là. Il n'y a plus qu'un défenseur. C'est pas le moment de faire le con. Au moment où je dis ça, je me fais reprendre la balle. Ouais! 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 Oh punaise! 3-2 pour Lille! 3-2 pour Lille! 2 d'affilée! Ah, Lopez, là, il fait plus rien, là. Il est mort, mort. C'est fini. C'est Frey encore? Ah ouais, c'est Frey. Commence à devenir bon, ce petit, là. Allez, dévié dans la cage par le gardien, voilà. L'origine, elle devait aller à droite. Bah, grâce au gardien, il est parti à gauche. Voilà, ça change pas grand-chose, il y a quand même but. Allez, 3-2. On est bon, là. On est bon. On se relâche pas. On en met un quatrième pour enfoncer le clou. Comme ça, on est tranquille. Allez, bien dévié. Allez, un petit changement et ensuite corner. Sofiane Boufal qui rentre et Jordan Ferry qui sort. Allez, encore un de nos anciens coéquipiers. Allez, 81 minutes là, faut pas qu'ils en remarquent. Faut pas qu'ils en remettent un là. Non. Il y a eu quoi là? Il y a eu une faute. Ah bah c'est bien, comme ça on peut dégager tranquillement. Voilà. C'est capital pour qu'une équipe parvienne à se transcender. Claudio Beauvu. Hors-jeu. Oui, oui, t'étais hors jeu, c'est bon. Allez, là, le but, c'est d'éloigner la balle de notre cage. Non! Merci le poteau! Oh, punaise, merci le poteau!
Claudio Beauvu qui a complètement raté son tir dans le poteau. Voilà. Allez, Mike Maignan qui dégage bien loin. Oh, oh, oh. Attention là. Boum. 4-2, c'est réglé. Allez, 89e minute. Il leur faudra un miracle pour nous rattraper là. Eh ben c'est bien, voilà. Nos 3 points sont assurés à 99% là. Là, Lopez, non, non, là, il s'est laissé faire là. Il commence à me poser des questions à son sujet là. Au début, il rattrapait bien, puis là, il fait plus rien. Là. C'est pas pour me vanter ou pour me foutre de lui, mais franchement. Là. 5e but en Ligue 1 pour Mikael Frey. 4 buts à 2, nouvelle évolution du score. Allez, 4-2. Allez, on en remet un, on en remet un, on tente le 5e. Mais bon, même si on le met pas, c'est pas grave. De toute façon, il y a 3 minutes, ça va être vite réglé. Non. Bien joué, Mike. Allez. Voilà, fin du match. 4-2. Une belle victoire. Ah ouais. Putain, je les vois courir partout. J'ai l'impression qu'on a gagné le championnat, à la limite. Ça court comme des dingues, là. Allez, Mikael Frey. Voilà, l'homme du match, bien sûr. 3 tirs, 3 buts. Vas-y, bouscule-moi pas, toi. Et ben voilà. Enfin une victoire. Enfin, enfin. On avait déjà eu une victoire dans la dernière vidéo, mais bon, voilà. Allez, on fait les petits entraînements, bien comme il faut. Ah, il n'y a pas moyen de l'entraîner là? Non? C'est une tête? T'es pas heureux d'être ici en tout cas. Allez, hop, on avance. Tiens, on va entraîner un petit peu le milieu là. Jamais rien à faire avec lui. Hein. Il n'y a pas d'entraînement, c'est... Aslan. Allez, Aslan qui a encore pris des points. Voilà, voilà. Alors, joueur repéré. Ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Et ça aussi. Voilà, on est repassé premier, les amis. 56 points, 27e journée de Ligue 1. Donc, voilà. Paris qui va pas nous faire d'ombre, qui est déjà à la 28e journée et qui a... Et qui a que 54 points. Nous, on est qu'à la 27e et on en a déjà 56. Par contre, c'est Saint-Etienne qui va nous faire un peu... Qui va nous embêter, voilà. Pour éviter de dire autre chose. Donc, en tout cas, voilà. 35 millions. Ah ouais, c'est beau, ça. C'est beau, ça. On commence à avoir des sous. C'est bien. Donc, en tout cas, les amis, voilà. Fin de la vidéo. Une petite victoire. Enfin, une grosse victoire, même. Il y a eu une petite défaite. Enfin, une petite défaite. Il y a eu un match nul. Et une belle victoire contre Lyon, donc ce qui est plutôt pas mal. On a eu un match nul contre Paris
Voilà, après il y avait Bale, il y avait tout ça. Voilà, top buteur, Zlatan Ibrahimovic, deuxième quoi. Donc voilà. Ensuite, Roux premier, Saint-Etienne, de la logique. Voilà. Ensuite, on a une belle victoire contre Lyon, 4-2. Donc c'est plutôt bien. Voilà, on a rattrapé le truc, on est revenu premier au classement. C'est génial. Voilà. Donc sur ce les amis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes les prochaines vidéos sur FIFA, pour suivre l'avancée de cette saison. Voilà, savoir si on va être premier, savoir si on va faire la Ligue des Champions. Tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, comme d'habitude. Voilà. Un petit pouce vert si vous aimez la vidéo, un petit pouce rouge si vous aimez pas. Et puis voilà, un commentaire aussi pour me dire ce que vous pensez de tout ça, des vidéos, de moi, de ce que vous voulez, voilà. Donc sur ce, moi je vous dis salut à tous.